Depuis 1974, le domaine de Villèle est devenu un lieu patrimonial, un musée qui livre l'histoire de ceux qui ont bâti ces murs. Une riche famille de planteurs créoles, les Panons des Bassins, puis les Villèle. Un lieu où se lisent aussi les grandes pages d'une organisation sociale marquée par la servitude, qui prend pour nom esclavage, engagisme et colonna partiaire. Au-delà de ce qu'il met en scène et de ce qu'il donne à voir, il est un espace entre les parenthèses du temps où se côtoient imaginaire et réalité. Madame des Bassins, disparue le 4 février 1846, veille toujours. Le musée historique de Villèle a une identité propre et le film Villèle, un musée entre parenthèses, en propose une lecture poétique.